bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit cardio burn graisse de 30 minutes. Simple, efficace, ça va aller très vite avec plein d'exercices. Vous n'allez pas avoir le temps de vous ennuyer. Donc, on va y aller. Une petite course sur place, tranquille, pour s'échauffer. J'espère que vous me voyez bien. C'est un peu sombre. C'est pas évident, mais entre le... L'éclat, le... Non. Dehors, il fait ni beau, ni pas beau. Bref, c'est pas simple. Mais bon. Le principal, c'est que vous voyez les... ma silhouette pour voir les exercices. Donc, on respire bien. S'échauffe tranquillement. Et là, on va juste faire des petits sauts de droite à gauche. Pour engager un peu plus le rebond. C'est un petit moment là que j'avais pas fait de vidéo. J'étais assez occupée. Du coup, là, je me suis dit ce matin, j'avais rien, je me suis dit, je vais faire un petit workout. 4, 3, 2, 1, et on met en bord du tapis. On enroule le dos, on vient ici, on touche épaule droite, épaule gauche, on gagne bien. Et on... Encore, on enroule, on gagne, droite, gauche, et on remonte. Encore, on déroule, droite, gauche, et on remonte. Donc là, essayez vraiment d'aspirer votre ventre pour engager la chambre abdominale le plus possible. On remonte. Et là, on va juste faire des burpees, mais sans saut. Donc là, on se baisse tranquillement. On est en train encore de chauffer, donc on n'a pas besoin de détarier. On est dans une continuité. Et à chaque fois qu'on vient en planche, on essaye vraiment de resserrer le corps pour qu'il soit le plus tonique possible. 4, 3, 2, 1, et petit tour. Donc ça, c'est les 4 exercices d'échauffement qu'on va faire encore une fois. Et après, on va partir sur le gros bloc. Donc il y a un peu de tout. Dans le bloc, il y a des abdos, aussi pour les jambes. Enfin, vous verrez. Je vous en dis pas plus. 5, 4, 3, 2, 1 et petit saut. De droite à gauche. Et pensez vraiment que c'est important. Chaque exercice où vous sentez que votre cœur il descend, prenez cet exercice pour la récupération. Ça, je vous dis ça aussi pour après. Surtout pour après en fait. Pendant le circuit, il n'y aura aucune pause. Là, je vous prépare mentalement. 3, 2, 1. Et on vient en planche. On descend. Et droite, gauche. Et on remonte. Là, vraiment, gainez votre colonne vertébrale. Essayez de prendre ces 4 exercices vraiment pour échauffer tout le corps. Et on remonte. Et là on vient ici, pareil, burpees, sans saut. Donc on essaye vraiment de plier dans les jambes pour activer les adducteurs, activer les quadrilles. Allez, encore 10 secondes. On aura 30 secondes juste de pause pour boire. Pour se préparer, 3, 2, 1, et on lâche. Donc, les 20 clous, je vous le préconise parce qu'après, vous pourrez plus boire après. C'est terminé. Ok. Donc, on relâche. Juste, vous pouvez marcher, enfin, faire d'un pied et d'un autre. Pour rester en activité, on va pas faire une course sur place juste pour que le chrono ça soit carré. Allez, on fait une course. Pour activer, donc là on va partir après cette course dans le circuit brûle-graisse là. Maintenant.
Allez, après vous serez hyper en forme pour toute la journée et toute votre semaine, vous verrez. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, on regroupe et on explose. Et là, on sait vraiment à aligner, enfin à exploser vos bras de chaque côté. Et quand on regroupe, on vient, on referme. Essayez vraiment d'étendre vos bras. Et toujours ce resserrement de la taille. Encore. 4, 3, 2, 1. Et même sur des jumping jacks, donc plus tranquille. Prenez ce temps pour respirer. Et vraiment récupérer votre souffle. On va faire ça une deuxième fois. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, on regroupe et on explose. Pensez vraiment, regroupement, explosivité. Cet exercice, il paraît rien comme ça, mais si vous mettez de l'intensité dans l'explosivité, bah, ça devient quoi. Allez, 4, 3, 2, 1. Et on fait un petit jumping jack pour récupérer. Récupération active. On va partir après sur le deuxième bloc. Voilà, donc c'est à peu près ça. Donc il y a vraiment ces deux exercices, on le répète deux fois. 5, 4, 3, 2, 1. Et là, on a jusqu'au genou. Donc là, théoriquement, votre cœur va un peu redescendre. Donc profitez-en vraiment pour récupérer votre souffle pour la suite. Essayez vraiment là de venir chercher la torsion genou-coude. Vraiment engager votre angle abdominal. 3, 2, 1. On change de jambe. Après la gauche, on va faire la droite avec une petite option. Si vous voulez rajouter un peu d'intensité, c'est à vous de voir. Avec votre ressenti du moment, toujours. On pousse ses limites, mais on s'écoute. Allez. Encore. 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. Et on vient ici, on saute. Et saute. Et là, on est sur le côté. Si vous voulez pas sauter, restez sur genou coude. Sinon, on prend une petite impulse. On peut aussi faire un peu des deux, c'est-à-dire sauter, puis revenir. C'est vraiment comme vous le sautez. Voilà, comme vous le sautez. Comme vous le souhaitez. Et on est dans la diago. Vous voyez, mon genou, il va vers le coin. Et on va changer. Et on respire bien. N'hésitez pas à prendre des options. Moi, je voyais, je fais un petit step derrière pour reprendre mon impulse. Allez, encore. Vraiment, n'hésitez pas à prendre l'option et puis repartir. En ce cas, vous allez chercher l'option. Allez, 4, 3, 2, 1. Et là, on vient au sol. On vient toucher le pied. Et puis l'autre. Là, c'est pas rapide du tout. On est dans le contrôle de ce qu'on fait. C'est la fausse récup. Allez. Essayez d'allonger votre corps. Ne montez pas les fesses comme ça. Vraiment, essayez de baisser
le bassin. On tient sur ses bras, ça va brûler. On est là aussi pour travailler les bras, hein, les épaules. Donc 5, 4, 3, 2, 1, et on revient toucher. Et on respire. N'oubliez pas, surtout pas de respirer. Je ne dirai jamais assez de mes séances. Et rentrez votre ventre. Ici, on contrôle pieds et mains. Allez. Là, c'est bon, c'est parti. On transpire. Perso, je transpire. 5, 4, 3, 2, 1. Et on vient. Petit saut. Si c'est trop dur, n'hésitez pas à rester juste en planche. C'est déjà bien intense. Et là, ça brûle dans les épaules. On tient, c'est mental. On ne lâche surtout pas. C'est un mal qui fait du bien. Allez, on tient. Ici, et là on fait des squats, enfin des ouvertures, et on croise les jambes devant, donc on croise bien les cuisses. Respirez, on repart sur un peu de cardio. Allez, croisez bien, essayez quand même de provoquer une petite torsion avec le buste. 3, 2, 1, on fait un peu. Petit tipping, ça s'appelle comme ça. Comme si vous vouliez écraser du raisin. Donc, là c'est juste une petite activation des jambes. Là on travaille vraiment l'intégralité du corps. 5, 4, 3, 2, 1, et on repart. Croisez. La vie, hein, ça allait être intense. Quand j'ai préparé la séance, je me suis dit, c'est dimanche matin. Ils se sont reposés sur mon samedi. Et puis si vous avez fait la fête hier, bah, c'est bien, ça détoxifie. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. On lâche rien. 30 secondes de tipping. Donc là, vos bras, vous voyez, ils sont comme si vous avez un petit jogging accéléré. Et vous pressez vos pieds dans le sol. Vous devez sentir le tremblement dans tout le corps. Je vous prépare, après, on va partir sur des burpees avec la pompe ou sans, c'est comme vous le voulez. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, et go! On fait les burpees. Bien explosif, pas forcément rapide, mais surtout très explosif. Et on respire. Encore. Il reste 15 secondes. On tient. L'avantage, c'est que quand on aura fait ces deux tours, les burpees ne reviendront plus. Donc on tient. 5, 4, 3, 2. On fait le dernier. Ok, et petite corde à sauter. Wouh. Allez. On récupère. On va partir sur des burpees. Dans 5, 4, 3, 2, 1, go. Burpees, petite pompe, et wouh, on saute, respire, prends ton énergie, transforme l'énergie négative en énergie qui te donne la force d'avancer, allez, encore, 10 secondes. Tenez bon, vous avez le plus dur.
Ça, on va passer au sol, je vous dis déjà, pour vous préparer. 5, 4, 3, 2, 1, on vient là. Et on vient sur les côtés, si on veut, on décolle les jambes. Pour plus d'instabilité. Ou bien on les pose, ou bien on change, comme vous voulez. Mais on vient twister dans le haut du corps. Ça pique, hein. Je me suis enflammée là. C'est cool, c'est bien. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et là, on vient côté et côté. On change de côté. Si vous voulez encore plus d'intensité, on lève ses jambes. C'est à choix. Vraiment, mais sentez surtout que vous montez sur votre coccyx, sur vos fesses et que vous twistez vraiment dans le ventre. Votre nombril, il est essoré, comme une serviette. 5, 4, 3, 2, 1. On repose un peu les jambes juste pour récupérer, mais on continue dans les twists. On lâche pas ici, continue. Et là, on peut remonter les jambes si on les déterre. Après, on aura l'ouverture encore des bras, donc pensez à ça, il reste pas une trentaine de secondes. Donc 4, 3, 2, 1, et là on vient ouvrir. Si c'est trop intense ici, là, au niveau des hanches, n'hésitez pas à poser vos jambes. Même à les allonger si c'est trop dur. Moi par exemple, là, ça me crise dans les hanches, au lieu de mal faire, je m'allonge plus et je viens ici chercher loin. Même je peux décoller une jambe, puis décoller l'autre. Respirez. En faisant ça, vous travaillez tout autant. Il y a juste plus de stabilité. Mais ne vous faites surtout pas mal. 4, 3, 2, 1. On se remonte. Petite course sur place. Et essayez de monter juste les genoux devant, les petits. Juste petite course sur place. Après, on va faire l'étoile de mer. Un peu comme au début. Putain, j'ai goûté. Je pense que j'ai jamais transpiré autant. Mais j'ai les gouttes qui viennent dans l'œil, quoi. Allez, on respire une étoile de mer. C'est presque le même exercice que le premier. Et de manière un peu plus explosive. 3, 2, 1. Et là, on saute. Prenez vraiment ce moment ici pour regrouper et exploser. Si c'est trop dur, ici, on refait comme le premier. Ça demande trop d'intensité. Ça vous brûle les cuisses. Bon, c'est normal de faire brûler les cuisses, mais... Allez, encore. C'est dur. 5, 4, 3, 2, 1. Et petite course. Genou monté, on récupère dans les cuisses. Je vous conseille de faire le yoga à 11h, là. La séance, ça vous permettra de récupérer vraiment dans vos muscles et de donner un petit coup de fouet pour enlever l'acide lactique qu'on a provoqué lors de cette séance. Allez, 4, 3, 2, regroupe. Et, vous voyez, je prends le temps là. Le but, c'est pas d'aller vite, c'est de sauter haut. Allez. Encore. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez juste un moment les jambes. Et on va partir sur deux fentes à droite, simplement. Et deux fentes à gauche en alternant. Encore. Je sais, c'est intense, très intense même. Et vous me remercierez après. Ou pas. Allez, encore. Deux à chaque fois. Et là, on va se mettre en 90 ici. Et on va sauter. Sauter. Donc voilà, je vais pas bas avec mes fesses. C'est juste pour changer de côté. Et twister dans le haut du corps. Le but là, c'est pas d'aller faire un jump squat vraiment bas. C'est juste de twister le corps.
physiologie. Et si c'est trop dur, vous restez face. Dernier. Et là, on vient. Deux derniers. Vous avez dit, hein, c'était beau le press intense. Hein. Vous avez prévenu. Allez, encore. Après cette séance, je ne sais pas si vous en avez, si vous avez la spiruline chez vous, bah, prenez-en. Ça permet vraiment de redonner un coup de fouet aux muscles. On est à son côté. Avant la petite séance de yoga, s'ils sont en pastille, vous en prenez 6. Et s'ils sont en poudre, bah, c'est dégueulasse, donc je ne vous le souhaite pas. Bah, vous prenez une cuillère à café. Et mangez avec de l'eau. Jus comme vous voulez. Allez, petit conseil, 3, 2, 1, et on change, et on va, devant, on twist, et on revient. Là, vous sentez la fatigue vraiment les cuisses, moi aussi, hein, je le sens, c'est dur, on s'accroche. Allez, vous avez vraiment fait le plus dur. Encore. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Le dernier. On n'est pas du bon côté. On vient là. On croise la jambe derrière. Hein, et on vient. Dans les mots. Encore. De l'autre côté, à gauche, on croise. On monte. Et on remonte. Et on tient bien. Là, c'est vraiment posture d'équilibre. Et on croise pour les adducteurs, on remonte, et encore une fois. Et croise derrière, remonte, et revient. Et on repart sur l'autre. Ici, twist. Donc c'est un peu un exercice de coordination, d'équilibre. C'est aussi bien lorsqu'on est fatigué de travailler là-dessus. Ça amplifie en fait la difficulté. Ce qui fait qu'après, quand vous êtes dans une moindre difficulté, c'est beaucoup plus simple. Allez, encore. Allez. Dernier trait de côté. À gauche. Et on revient. Maintenant, on vient ici sur la jambe droite. On croise, on contrôle, on monte. Et on monte. On tient bien le ventre. On allonge sa tête. Et on remonte. Encore. Ouais, ça va être 30 minutes. Mais alors, les 30 minutes, c'est comme si vous aviez fait 3 heures de sport. D'accord. Allez. Encore. Une dernière fois de chaque côté. Et là on vient. Devant, on reste que sur la jambe droite, côté et derrière. Encore. Devant, côté. Donc là c'est vraiment pour accentuer l'allongement des cuisses, maintenant qu'on les a bien travaillées, bien congestionnées, on les allonge. Ça permet de les dessiner, les galber, etc. Allez, l'autre jambe, on change. Gauche. Allez. Encore. Donc là, vous voyez, je ne fais pas rapide, c'est vraiment pour trouver le renfort, la musculature dedans. Après la même chose de chaque côté. Petit moment de récupération du cœur. Allez, on change de jambe encore. Devant. N'hésitez vraiment pas à travailler dans la lenteur. Ça permet vraiment de brûler les graisses des cuisses, d'allonger et de tonifier. Encore 10 secondes. Hop. Dernière fois. Devant. Côté. Et derrière. Encore. De côté. Devant. J'oublie toujours d'enlever cette plante qui est derrière moi là. À chaque fois, elle me gêne. Allez. Et
il reste tout droit. Vraiment, 6 exercices, donc on répétera deux fois. Hein, donc encore de l'autre côté. Et derrière. Et là, on vient juste jambe droite, toucher jambe droite, en mettant la torsion. Si c'est trop dur, vous pouvez plier la pomme de terre, hein, n'hésitez pas. Ou même descendre un peu si vous voulez. Mais pensez vraiment à cette portion. Encore. 5, 4, 3, 2, 1, encore. Pour améliorer mes séances, j'ai refait tout le programme que j'ai fait au mois d'avril. Enfin, ouais, que j'ai fini au mois d'avril. J'ai refait entièrement. Il y a vraiment des séances où je me suis dit, putain, ils vont me haïr. Moi, je me suis haïe sur le moment. Et c'est pour ça que j'ai fait une séance plus simple aujourd'hui, hein, mais c'est surtout pour voir la cohérence entre les choses. 5, 4, 3, 2, 1. Et là, on revient, on va sauter et derrière. Sauter, derrière, sauter. Pareil, là, c'est. Vous voyez, c'est petit, ça en continue. C'est pas explosif, c'est juste en endurance. J'ai fait ça pour pouvoir justement élaborer un nouveau programme. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sortira parce que là je suis un peu blindée. Juste en juillet. Mais c'est en cours de réflexion. 5, 4, 3, 2. Le dernier. Par contre, je ferai plus souvent ce genre de matinée, peut-être plutôt le samedi, parce que normalement le dimanche j'ai des cours. Et dans la semaine aussi, essayer de sortir quelques vidéos. Par exemple, deux vidéos en semaine et une vidéo week-end. Mais je ne garantis rien. Juste pour que vous ayez un. Même s'il y a déjà plein de vidéos sur ma chaîne, mais que ça soit toujours un peu neuf, quoi. 5, 4, 3, 2, 1. Je prends mon tapis. On vient ici. Et là, on est ici. Et on monte. Coup d'une. Pareil, là, on est dans la. Dans le contrôle. Encore. Coup de genou. Allez. On respire. On dit que c'est vraiment bientôt la fin. Allez, encore. Et là, on tend. Et cette fois, on touche le pied. On tend les bras derrière. On touche. Derrière. Touche. Allez, contrôle. Et hop. Et on monte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, le dernier. Relâchez juste là. Une seconde et on repart. Coup de genou. Coup de genou. Si c'est trop dur, vous restez en bas et vous faites des coups de genou ici. Sinon. On monte et coup de genou. C'est intense, ça doit brûler dans les abdos. Encore, on est dans le contrôle. Level. Hop. On intensifie les exercices. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Et on monte. Allez, dernière 30 secondes d'abdos. Il ne restera que deux exercices derrière ça. Allez, on tient. Allez, encore. Respire. Et monte. Et monte. Allez, c'est tout dans la tête. On tient. Ça brûle, je sais. 4, 3, 2, le dernier. Ok, on remonte. Ok, on remonte. On va courir. On fait deux petits sauts et un jump. Allez, c'est les derniers exos. Je vous achève. Si vous voulez faire plus de petits sauts, hein, n'hésitez pas. Allez. 4, 3, 2, 1. Et petite course. Allez, c'est. Encore 3 exercices. Donc celui-là, le Léa Détox que j'appelle, pour se replacer. Terminé. Allez, on tient. Si vous avez tenu jusque-là, vous pouvez être fiers de vous. Moi, je
parce que c'était très intense. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, petit et grand. Et grand. Allez. Aidez-vous aussi de vos bras si vous voulez. Les derniers 30 secondes intenses. Allez. 15 secondes. Plus que 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Et le dernier. Et on redescend. Respirez. Laissez descendre le cardio. Encore 10 secondes. Allez. Et juste faites des petits steps sur le côté pour ne pas vous arrêter d'un coup. Respirez. Laissez redescendre vraiment tout le cœur surtout. Attention. On va juste prendre le... Ah ben il y a le soleil qui se lève là. Allez, on monte les bras, je monte les bras, le soleil se lève. Et juste on enroule le dos. Vers le bas, on relâche juste un instant ici avec le. Pour vraiment faire couler le sang à la tête. Respirez. Relâchez. Et on déroule vertèbre par vertèbre. Et merci pour cette séance ultra intense.